on Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. La dernière fois, on s'était laissé là, devant la réserve. Il fallait que j'enchante un objet et que je demande à Arit de fabriquer un objet d'exception. Donc on va aller voir Arit. Qu'est-ce que vous pensez de notre nouvelle locataire? C'est pas la proprio, vous êtes sûr? À ses manières, on dirait. Désolé, mais il y avait du boulot. C'est sûr qu'elle a fait du bon boulot et rien que pour vous. Vous en faites pas pour moi. Ça fait beaucoup de changements, c'est tout. Mais elle a un côté bizarre. Méfiez-vous. Ah bon, je peux pas lui demander. Je peux pas lui demander, donc je vais aller voir Dagmar. Fabriquez-moi quelque... Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais lui demander de me fabriquer quelque chose. Dagmar, montrez-moi ce que vous savez faire. Voilà comment ça se passe. Vous m'apportez un truc rare pour un enchantement ou une pièce d'exception et vous le préparez ici normalement. Sauf que ce n'est pas tout à fait normal. C'est de la manipulation d'énergie brute. Mais je m'assurerai que tout se passe bien. Vous verrez. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enchante un objet. Et comment je fais ça? Je cherche. Alors là, c'est quoi? C'est modifier les armures et les armes. Donc ça veut dire que je peux limite en fait. Parce que ça, c'est ça en fait qu'on n'avait pas avant. Parce que les armures, on les connaît, hein. Enfin, on les a déjà vues. Il faudrait qu'il y ait des armes. Rune d'armes. Non, c'est pas ça. Bon, je vais pas me prendre la tête là-dessus non plus, hein. Bon, tant pis. Tant pis, je pense que je réfléchirai à ce problème plus tard. Je suis vraiment pas envie de me prendre la tête, en fait. Bon, de toute façon, ça, c'est au fur et à mesure des quêtes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ouais. Si, il faudrait que je fasse aussi... Bon, je vais aller déjà à la table d'état-major. Je vais faire deux trois trucs. Je pense que ça pourrait pas être mal. Et après, on va partir... je sais pas, je vais voir où on va partir. Mais on partira, de toute façon. Là, c'est sûr. On va pas rester là. Alors. Table de l'état-major, c'est là-bas, je crois. Hop là. Ouais, c'est ça. Ah, il en faut des portes. Convoquer le conseil de guerre. Convoquons. Feralden. Alors, c'est quoi ça? Rapport de prêt. Ambassadrice Joséphine, j'ai le regret de vous informer que le magistrat Conring a été retrouvé mort chez lui ce matin dans une position qui, d'après les gardes, serait la mise en scène macabre du passage d'un roman de bas étage, Mitori dans la haute ville. J'ignore pourquoi l'Inquisition porte un quelconque intérêt à cette affaire et c'est mieux ainsi. Ok. Là-bas, on a quoi? Eh bien... Voilà qui est vivifiant, une bataille rangée avec des mages maléfiques déguisés en domestiques, des boules de feu qui volent et des épées qui s'entrechoquent. Ça me rappelle des souvenirs, je ne mangerai rien qui sortira de ces cuisines pendant un moment, vous pouvez me croire. Je me demande si vous avez prévu de m'empoisonner, saleté de petits cultistes. Quoi qu'il en soit, je vous suis reconnaissant de l'aide apportée par l'Inquisition. Nous ne les aurions pas retrouvés sans vous. Donc j'ai trouvé un médaillon de service faraldien et de l'influence. Enfin, j'ai reçu plutôt.
Ensuite, nous avons là. Nous pouvons maintenant emprunter le passage vers l'ouest du bourbier délaissé. La qualité et l'utilité d'un renseignement s'amenuisant chaque heure qui passe. Ce raccourci est très utile à mes agents. Ok. Ok, ok. Les marcheteurs ont ces ressources remarquables d'Elphidé et de Nyx. Les forces d'acquisition du campement pourraient chercher ces ressources et organiser leur convoi à Force Céleste. Nous devrions nous concentrer sur la recherche de nouvelles sources d'herbes médicinales. Tout peut servir, il faut les laisser prendre tout ce qu'ils veulent, enfin tout ce qu'ils trouveront. Nos hommes devraient se concentrer sur la collecte de Nexia et de Pierre. Non, tout. Tout. Franchement, tout. Service. Tout. Moi, je suis pas chiante. Je peux assurer l'instruction des légions qui veulent se joindre à nous, mais l'inquisiteur peut-il demeurer une figure d'autorité en se formant auprès d'un subalterne? Il est une source d'inspiration, et je l'espère, d'admiration. Il ne me semble guère approprié de promouvoir un expert de grade inférieur. Avec tout le respect que je dois à nos hommes, les besoins du messager sont tellement spécifiques que je vous recommande de chercher les meilleurs spécialistes du combat hors de nos murs, quelle que soit leur filiation. Alors, il a raison, je vais m'assurer que vous ayez le meilleur entraînement possible. Aucune question ne sera posée. Ok. Et bah lui, il ne participe pas comme ça. Ok, bah vas-y, ma couille. Voyons un peu ça. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, faire ça. En tant que spécialiste des Alvars, je trouve vos informations sur Tirda via H fascinantes. Nombreux sont ceux qui considèrent les Alvars comme des barbares, sans culture digne d'intérêt, mais les Orlésiens ne disent pas la même chose de nous. La riche tradition orale des Alvars a été largement perdue, tout ce qui reste en reste. Enfin, voilà. Je vais pas tout lire non plus, je flemme. Allez, vas-y, va protéger. Va protéger. Voilà. Donc, déjà, voilà. Et nous, on va re-regarder le journal de Kate. Et puis, puis voilà. On va aller voir ça tranquillement. T'es charmant toujours aussi long. Hein. Mais ça, j'y peux rien. Je n'y peux rien, sinon je les enlèverai parce que moi aussi, j'aime pas attendre. Mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Ah, cinématique. Par contre, faut que je regarde, tu sais. Où sont les chevaux? Ça, c'est un truc qui me titille un peu. Je sais pas, je vais regarder par là, mais ça a pas l'air d'être là. Il devait y avoir une écurie, hein. Lisette. Bonjour. Merci pour Dars. J'aimerais en dire autant pour Golfalois, mais je reste au service de votre grâce. Ok. Ça va mettre dehors. Ça va pas être loin quand même. Hein. Ah ouais, il y a de la quête là, putain. Oh, c'est pas ça qui veut me parler. C'est en haut. C'est Blackwall. Des rumeurs parlent de camps de garde abandonnés dans la région. Si on a le temps, j'aimerais bien y jeter un œil, voir s'il y a quelque chose à récupérer. Oak, l'ami de Varric, a dit qu'il y avait des soupçons de corruption dans les rangs de la Garde des Ombres. Vous en savez quelque chose? De la corruption? Quel genre de corruption? Corypheus. On dit qu'il a une certaine emprise sur les gardes. Ça pourrait expliquer pourquoi tant d'entre eux ont disparu. Si c'est vrai, alors tous les gardes sont en danger. Même vous. On ferait mieux de trouver vos camarades. Je suis d'accord. Si Hawk vous a indiqué par où commencer, on n'a plus qu'à s'y mettre. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. Wow. Ah, d'accord. Voilà, une belle quête. Nos montures n'ont jamais été aussi gâtées. Attention à votre animal, Inquisition. Cette espèce est assez capricieuse comme ça. Rien de nouveau à signaler?
Je suis trop occupé pour tendre l'oreille. Et ça me convient parfaitement. Comment se portent vos bêtes? Elles sont bien nourries? Étonnamment, oui. Beaucoup n'arriveraient pas à nourrir ces gens, et encore moins leur monture. Je me demande de quoi d'autre vous êtes capable. Votre femme et votre fille vont bien? Elena s'occupe des fermes. Sienna organise toujours ses courses stupides. Je ne peux pas les traîner jusqu'ici. Elle me manque. Mais il faut bien que quelqu'un sauve le monde. Au revoir. Donc ça veut dire que les chevaux sont par là. Ah bah voilà, acheté vraiment. Non. Si. Alors, silencieux quand il le souhaite, redin quand il le veut. fougueux, issu d'une lignée plus longue que celle des bien nobles, fierté de nombreux birvis. Sauvageur d'Alatien, un bel exemple de race que l'on voit rarement, cet animal descendre du bétail qui est échappé pour les incursions cunari dans le nord. À croiser, et robuste et à le pied sûr, farouchement relayaux, les spécimens, ok. Ça peut pas être mal ça. Ouais. Je peux pas l'appeler là, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Vous êtes l'inquisitrice, hein? C'est un honneur. Ne fichez pas tout en l'air. Comment ça? En vous prenant pour ce que vous n'êtes pas. Si vous aimez que tout soit impeccable, je n'ai rien du tout à vous enseigner. Vos hommes ont demandé un artificier. Je m'appelle Trois Yeux. En piste. Très bien. Allons droit au but. Bonne entrée en matière. Ça compte beaucoup. L'artificier construit pour la bataille. Efficacité et sens du détail sont les deux piliers de notre survie. Mais certains oublient que c'est l'artificier et non l'artiste qui conçoit les meilleurs pièges. Le cœur, c'est bon pour les œuvres d'art. Il ne faut pas s'attacher à ses jouets au point de ramasser les chevilles sur le champ de bataille. Un créateur exige de la distance, de la dignité. Je suis prête à commencer l'apprentissage. Il vous faut des outils et suivre quelques étapes de base. Voilà vos consignes. Les dernières en ce qui me concerne. Après ça, vous déciderez du déroulement de chaque combat. Si vous en avez la patience. Ah ouais, non mais... Je sais pas si vous voyez toutes les quêtes que je vais me taper, quoi. Si vous manquez de patience à ce stade, cette voie risque de ne pas vous convenir. Qu'est-ce qui rend cette discipline supérieure aux autres? Rien ne vaut un bon piège bien préparé. Foncez tête baissée, c'est bon pour les gamins. Je sais où mon ennemi va mettre les pieds. Ah, ce fameux regard quand ils comprennent qu'ils ont perdu. C'est encore plus jubilatoire quand ils ne savent pas pourquoi. Nous, on contrôle, on façonne, on commande. Le pauvre fou qui combat l'artificier tremble à chaque pas. Ok. Et toi? Pas encore, mais j'y songerai. C'est une belle forteresse, très calme. Je me demande si on se lasse du calme. Je suis Kim, inquisitrice. Je réveille la tornade, la tempête. Ça vous intéresse? Je suis prête pour votre apprentissage. Vous avez toute mon attention. Toute votre attention? Danger. Vous dirigez à ce qu'il paraît? Je vous pose la question, à partir d'où? Au cœur de l'action? En première ligne? C'est comme ça qu'on scelle la victoire. On arrive en grande pompe, on brise le verre, on sème la tourmente, on change le combat de l'intérieur. Vous vous considérez sans doute comme quelqu'un qui dirige, mais lorsque vous êtes tempête, vous devenez quelqu'un à suivre. Est-ce que c'est un savoir-faire magique? Ou une étude en préparation d'élixir? Non, inquisitrice, je ne vous imposerai ni lecture de cercle, ni cours de potions. Laissez les autres s'occuper des potions. Je vais vous enseigner à survivre dans le chaos que nous allons provoquer. Très bien, voyons ce que ça donne. Excellent. Avant toute chose, il y a des conditions à poser. Cette consigne, la première et la dernière, vous donnera un aperçu de votre souffle.
goutte à goutte inquisitrice. Le calme avant la tempête. Ok. Ensuite, on a Eir. J'ai reçu un oiseau. Il y avait une note. Me voilà. Vous venez m'entraîner ? Ah, c'est ça. L'inquisitrice veut devenir plus qu'une simple inquisitrice. Peut-être qu'elle souhaite marcher dans l'ombre, bien qu'elle soit imprégnée de lumière. Sauver des vies, bien qu'elle sème la mort. Comme c'est puéril. La profession d'assassin n'a pas de temps à perdre avec ça. Votre profession a tout mon respect. J'ai très envie d'apprendre. Vraiment ? C'est ce que nous verrons. Que je mette les choses au clair. Elle ne veut pas être assassin. Pas plus qu'elle ne voudrait être une épée ou une matraque. Telles sont les armes des autres, dénuées de conviction. Elle doit devenir son propre assassin. C'est différent. J'ajoute une chose. La mort n'a rien à voir là-dedans. La mort est le paiement, la séquelle. Notre conduite se situe entre la vie et la mort. C'est une porte où elle précipitera son prochain. Est-ce qu'il y a des dangers ? La réponse rebattue, c'est qu'il y a un danger en toute chose. Mais également une utilité. Il n'y a pas de prix physique à payer. Pas de corruption, seulement des actes. Il se peut qu'elle en vienne à voir les autres comme de simples objets. Ça peut rebuter. Je suis prête à commencer l'apprentissage. Elle est pleine de volonté. Est-ce que ça va durer ? Il y a des tâches, des procédés pour entraîner le corps et le mental qui requièrent des gestes simples. Qu'elle fasse les premiers pas. Ensuite, nous jugerons de son potentiel. Ouais, bah, tout ça. Dame inquisitrice, Bonnie Sims, à votre service. J'espère que ces grits n'étaient pas trop rustres. Puisque la chance vous sourit, désormais, vous méritez mieux. En tant que chef des commerçants, je suis prête à pourvoir à vos moindres besoins. Fort Céleste a besoin d'un flux constant de marchandises. Comment l'encourager ? Dégager les routes commerciales, sécuriser les avant-postes, les forts, et les marchands vous trouveront. Comment allez-vous ? Les affaires sont bonnes ? Nous construisons, encore et toujours, grâce à vous. On discutera plus tard. Bien entendu, dame inquisitrice. Moi, je veux juste voir ce que t'as à vendre. Waouh, hache du chasseur de dragons. Putain la vache, elle pète sérieux. Bon, le prix aussi il pète hein, bien sûr. Ouais, putain la vache. Ça je pourrais quasiment l'acheter pour ses reins. Eh ben on va te laisser là ma cocotte. T'inquiète pas, reste là. Voilà. Du coup, carte du monde. Bon, allez, on va retourner au bourbier. Trouver des artefacts. Il y en a là, il y en a là. Juste avant de partir, je vais voir un truc. Je vais voir si j'ai des points d'acquisition, vous savez, pour améliorer un peu mes capacités en fait. Et du coup, j'aurais amélioré la capacité de crochetage. Je sais pas du tout si j'en ai, je pense que j'en dois avoir de toute façon. J'aide pas mal de monde, donc normalement, hein, je devrais en avoir. Merde, c'est les quartiers, putain, c'est pas ça. Je crois pas que c'est ça. Il me semble pas. Quand on est con, on est con. Tout, ça va pas être trop important. C'est les quartiers, c'est la crypte. Ouais, c'est là.
Salut. Voilà. Je vais juste faire mes points et après on va partir, hein, tout simplement. À moins que eux, certains sont revenus, mais je pense pas. Ah si. D'accord, 3 Onyx, 3 Ophidés. Avec ça. Avec ça, franchement. Nous avons reçu un message d'Orzammar, sachant qu'une. C'était inhabituel. Qu'une engeance. Ancien Melastedas, le roi Belen a officiellement déclaré son soutien pour l'acquisition. Je recommande d'envoyer une délégation à Orzammar dès que possible afin de renforcer cette alliance. Vas-y. C'est en cours et ça aussi. Ok. Comment j'ai mis le point, je sais plus. J'ai un doute. Voilà. Comme ça. Alors du coup. Connexion historique, confection finale, confection impériale, flasque en verre trempé, entraînement exclusif. Donnez le maître fini. C'est pas ça. Connaissance de la pègre. Méthode massage. Posture du cavalier. Celle anti-vanne. Concentration assez, concentration du maître. Témérinité, plus de potions créatives, schéma. Seigneur Béran, Clémence apaisée. Connaissance mystique, main verte. D'accord, il faut 4 points en fait pour débloquer ça. Et j'en ai pas. Ok, ça marche. Et ben, dans ce cas-là, je vais peut-être. Ouais, je sais pas. Si je vais aller, je vais aller au marché solitaire. Voilà. Et c'est là. Le courant est là. C'est parfait. Je pars toujours avec Serra, Dorian et Blackwall. Toujours. Ça ne change pas. Pourquoi changer l'équipe qui gagne, franchement? Ça ne serait pas une équipe qui m'aiderait ou qui. À qui je serais contente. Ça dégagerait, mais là. Là, je vois pas l'intérêt. Voilà, on a viré les éléments. Comment je pourrais dire, perturbateurs, entre guillemets. Genre Cassandra, hein, voilà, exemple plus typique. Donc voilà. Maintenant, c'est que du bon. On découvre, on fait pas mal de choses. Et puis voilà. Allez, chargement, toujours un petit chargement. Allez. Une cinématique ou quoi? Non, même pas. Alors, à quoi ressemble mon cheval là? Bah, c'est le même. Bah, c'est le même. C'est quoi ce bordel? Armure, amélioration, objet de valeur, schéma, recette. Ouais, je me suis fait un peu avoir quand même. Je me suis fait avoir. C'est pas grave. T'as un problème, toi, le bouc? Oh, l'autre gros, c'est cassé la gueule, je sais pas si vous avez vu. Lol. Alors. Passion de colénade. Un artefact. Ah, j'ai trouvé la carte de tréfonds. Cela pourrait servir l'Inquisition. Ok. Ensuite. L'autre il est là-bas. Hop, ça va être vite fait. Hein. Si, vu que là on a quand même débloqué pas mal de cartes, donc
Il y a juste des déplacés à récupérer, et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Allez, voilà. Hop. Je comprends pas, parce que vraiment, je pensais avoir acheté un cheval. Puis au final, je me trouve toujours avec le même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez bizarre. Ça, je l'ai revendiqué ou pas? Ouais, c'est déjà fait. Ok. Allez, c'est parti. Ça doit être là-haut. Allez, mon garçon. Allez, mon bonhomme. Voilà. Alors, par là, par là, par là, et voilà. Je vous remercie, Inquisitrice. De rien. Ensuite, donc là, on a fini. On va aller au Bourbier. On va aller au Bourbier parce qu'on est en combat. Pourquoi ils sont en combat, d'ailleurs, au passage ? Voilà. Du coup, hop. Oh putain, mais c'est lourd. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je sais pas du tout. J'en ai pas la moindre idée. Ah, ils sont là, en train de s'amuser. Hein. En train de s'amuser, voilà ce que je viens de dire, moi. Pourquoi je peux pas aller? Oh, je peux pas me déplacer. Là, on va aller essayer maintenant. Bon, je vais pouvoir quand même. C'est quoi cette blague? Quoi cette blague? Ah, c'est l'ours qui fait chier. Merde. Attaquer. Je sais que c'est lui qui fait chier, c'est le seul ennemi quasiment. Ouais, j'ai pour 2 heures à faire ça. Voilà. Hop. Allez, putain, c'est quoi ce monstre? Ou cette monstre? Waouh. Waouh. T'es pas belle. Ou t'es pas beau, je sais pas, mais... bon, on va se reposer vite fait, écoutez les gars. On va se reposer vite fait. On va aller... Du coup, on va se déplacer. Voilà, maintenant je peux. Magnifique. Du coup. Je crois qu'il y avait un truc pour se déplacer rapidement. Non. Non, bon, c'est pas grave. Hein. Je m'en fais. Il est là. Voilà. Et puis moi, bah, je vais vous laisser là, les gamers. On arrive aux 30 minutes de vidéo sur Dragon Age. Et du coup, bah, la prochaine fois, on se retrouvera au Bourbier des DLC pour bah, continuer à choper les artefacts. Donc voilà, on va les prendre tous. Et puis on va continuer toutes les quêtes, de toute façon, parce que voilà, c'est un gameplay que je vous fais entier. C'est-à-dire que c'est vraiment pas que les quêtes principales, c'est vraiment tout le jeu. Parce que c'est vraiment un jeu que je kiffe. Donc voilà. Bah écoutez, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et nous, on se retrouve très bientôt sur GSO Gaming. Allez, salut les gamers !